C'est reparti pour un nouveau remake. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la seconde bande-annonce d'un film qui sortira pile le jour de Noël, c'est-à-dire le 25 décembre 2019. Et il s'agit de Charlie's Angels, le remake, parce que oui, il y a eu un film Charlie's Angels, un classique. Je ne connais pas du tout le cast original, mais je sais qu'il y a Cameron Diaz. Ça va être l'histoire de 4 Totally Spies. En vrai, c'est ça, on pourrait carrément résumer au fait que c'est des Totally Spies. Je vais vous lire le résumé. Les Charlie's Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L'agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l'international avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier. De multiples équipes de Charlie's Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley. Et c'est un film Sony Pictures. Allez, on va découvrir tout de suite cette bande-annonce. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction, générique. Charlie's Angels, deuxième bande-annonce, c'est parti. Vous avez eu l'immense honneur de faire la connaissance des anges. Allô? Vous êtes en danger, évacuez tout de suite. Oh, belle explosion. Ouverture plante numéro 6. Soyez la bienvenue à l'agence Townsend. Je dirige un groupe secret de femmes exceptionnelles. Vous êtes genre des espionnes? Totally Spies. Dans nos propres règles. Dans la clandestinité, ensemble. Vous ne connaissez peut-être pas notre existence, mais nous veillons sans relâche. Ça se fait pas de piquer l'argent de l'aide humanitaire. Qui êtes-vous? Vous avez eu l'immense honneur de faire la connaissance des anges. Yes. Tu viens faire la formation? Grave, ouais. Donne-moi mes ailes. C'est parti! Où tu vas comme ça? Il va falloir que tu poses cet avion. Oh merde! À tout à l'heure. Garde tes mains en évidence. Franchement, vous avez absolument pas le droit de toucher quoi que ce soit, sauf si vous avez le droit de le faire. Tu es adorable. Jane, je rêve ou t'essaies de draguer le geek beau gosse? Le plus sympa dans tout ça, c'est pas d'arrêter les criminels à travers le monde. C'est vous, les filles. Siroter un verre en journée, c'est ce que je préfère au monde. Conduisez-la au dressing. J'hallucine. J'ai le droit de prendre tout ce que je veux. D'emprunter. C'est la règle officielle. Les anges, on se met au travail. Carrément. Putain, pourquoi ils disent les anges? Ça me fait trop penser aux anges de la télé-réalité et c'est pas du tout positif. Donc non, je vais rester sur mon idée, c'est des Totally Spies. C'est de Totally Spies, il faut se dire, c'est les Totally Spies. Ou sinon, on dit Charlie's Angels, mais pas les anges, s'il vous plaît. Quand on dit les anges, on pense tout de suite, oh, télé-réalité. Non mais allô quoi. Oh la vieille rêve de vieux, mais pour les jeunes qui regardent cette vidéo, vous n'avez aucune idée de ce que je viens de dire ou de la rêve que je viens de faire. Si vous ne connaissez pas encore le fameux non mais allô quoi, eh ben je
vous invite à aller découvrir sur YouTube, parce que je n'ai pas envie de vous montrer ça, parce que c'est le vide intersidéral. Vous avez vu l'événement trou noir de Fortnite? Et bien c'est exactement ça, c'est ce qui se passe dans la tête de la personne qui a sorti cette phrase. Non mais allô quoi, c'est exactement ça, un trou noir. Mais voilà, on n'est pas ici pour parler des anges de la télé-réalité, on est là pour parler des fameuses Charlie's Angels. Bon, le casting est plutôt pas mal, parce que j'aime bien Naomi Scott depuis le remake d'Aladdin, que j'ai aimé à moitié, et je trouve que Kristen Stewart est assez belle. Un film Sony Pictures qui sortira donc pile pour Noël. Après, est-ce que ça fera un démarrage absolument fou? Bah non, parce que tout le monde restera devant sa cheminée ou fera la grasse mat pour attendre le Père Noël, bien sûr. Charlie's Angels, donc, ça a l'air d'être un très bon film, même si, voilà, c'est un peu la case remake, alors on ne sait pas trop si ça va marcher, si le classique sera respecté ou non. Je n'ai pas le sentiment que le classique soit un énorme film culte, alors à voir si Charlie's Angels fera mieux avec le casting qui est présent, le casting qui est un peu bah, une nouvelle génération quoi. Et puis comme on l'a lu dans le résumé, vu que l'agence Townsend se développe à l'international, il pourrait très bien y avoir différentes équipes de Charlie's Angels, donc du coup il pourrait toujours y avoir l'équipe de départ, l'équipe du film classique, et cette équipe là à un autre endroit, dans une autre ville, qui pourrait se passer dans le même univers. Donc en soi ce n'est pas du tout un remake, ce serait plus une suite. Bien sûr il y a beaucoup plus d'effets spéciaux que dans le premier film, ça se voit, hein, les armes, les déguisements, les costumes, tout le budget qui a été mis dans les costumes, les explosions. Après, le truc, c'est que justement, voilà, ça fait deux bandes annonces qui nous ont été dévoilées et on ne sait même pas quel est le véritable méchant qu'il aura à affronter. Quel est le méchant? Quel est son but? On ne sait rien de ça. On sait juste que ce groupe de filles va nouer une relation amicale absolument fantastique et réaliser d'importantes missions absolument fantastiques. Et au vu de la bande annonce, toutes les missions vont être un succès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé.